Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2023. Et excusez-moi, je vais un peu enlever les lunettes de soleil parce que je vois pas assez bien. Nous allons réagir sur quoi? Nous réagissons sur la candidature de Monsieur Mukwege à la présidentielle. Nous l'avons tous suivi. Nous l'avons vraiment suivi son discours à Fatima où il a annoncé effectivement qu'il a coaché Libaya. Et puis nous avions senti un Mukwege bien déterminé et bien. C'est comme s'il s'est bien préparé. Un discours tellement intelligent, je crois. Moi, je perçois ça comme ça. J'ai vu un homme qui est convaincu qu'il pourra faire quelque chose en République démocratique du Congo. Donc, à Kosala, Ndenge Yaza Komona. Et puis, ce qu'il a bien dit dans son discours, ce qui m'a fait assez que je puisse réagir un peu sur ça, il n'a pas promis. Il a dit qu'il va le faire avec vous, le peuple, qui l'ont poussé à poser cette candidature. À lobby, le travail. Chose que nous n'avons jamais entendue dans les autres discours à Batumsusu ou Bazakoloba. Kenonga na koya kosala bino boye. Il a dit que il va vous faire travailler. Donc, ça sera le travail. C'est ça qu'il a dit. Reste à savoir maintenant comment est-ce qu'il va appliquer ce travail-là. Bien sûr que nous connaissons beaucoup de Mukwege. Makambo à justice et remettre la justice en place pour la bonne gouvernance. Parce que bonne gouvernance, nandenge tolobaka, ekendaka malamu te soki justice eza kosala mate. S'il n'y a pas de justice, bonne gouvernance e kozala te, batu bakobanda komona ngo neti lisano. Et c'est ça que moi je me suis dit, ça c'est quand même une première, un candidat qui est beaucoup plus concentré sur la justice et le travail. Alors, pourquoi j'ai fait cette émission, ces réactions consacrées effectivement pour lui? Il nous reste une chose, bien sûr, peut-être Tokomo n'a pas la campagne électorale. À Kosa Lanin, quels seront les axes qu'il va attaquer de plus pour élever un peu le Congo dans ce qu'il est donc na kati yo ya marasme otoza na kati. Moi je me dis que il faut absolument to observer eh? Bien sûr que lelo mardi nde ezala ki jour na ye oyo a décidé qui pourra déposer candidature na ye. Donc cette semaine ici nous aurons pratiquement to mona ki déjà batu ya yanani ya Union Sacrée basi ba se concerter pour que ba présenter candidature à monsieur Félix Tshisekedi na CENI. On ne parle pas beaucoup de la CENI. Bon totika nanu likambo ya CENI mais to se concentrer nanu na likambo oyo ya Mukwege ye moko. En lui seul, moi je crois que comme je vous ai toujours dit, il a cette aura internationale. Azana confiance, il y a communauté internationale, d'autres le taxent comme le candidat de l'Occident et tout ça. Pourtant, nous avions vu Batunyoso, le président qui est là aujourd'hui, donc Félix, a essayé un peu d'aller dans le monde pour essayer un peu de convaincre communauté internationale pour qu'on puisse l'aider. Et moi, je crois que Mukwege a une voix au niveau international pour que Bayo kaye pona ba plaider likambo na biso. Mais likambo na biso ezali nini? Likambo na biso place ya makasi oyo ekozala makasi pona yo, c'est la dynamique interne. Comment est-ce que il va essayer un peu de remettre les gens ensemble, batunyoso acha bango ensemble et puis abenda confiance wana ya batu. Malgré que il est docteur, c'est un intellectuel, il a des diplômes, il a des honoris, il a fait preuve na kati ya hôpital na ya Panzi, comment il a aidé les gens et tout ça. Mais l'administration, c'est quelque chose d'autre, ezailo komsusu.
C'est comme ça que j'ai dit, oui, Mukwege peut être le l'oiseau rare que le Congo a besoin. Mais il faudrait que Mukwege ait un esprit fédérateur. Ce qui me plaît encore une fois de plus, nakati aba soupçon aba tundenge bazako loba loba, il se pourrait que coalition moko esalema opposition selon ndenge ba tactique ya ba élection na ndenge ezokende na ndenge bazako zwela ngo, je crois que il y a lieu qui puisse aussi s'ouvrir na bande comme Suso ba Katumbi ba Fayulu ba Muzito ba Twana nyoso pour que il se penche sur un programme de base. C'est-à-dire que il circoncise d'abord le grand problème à Congo ezali wapi. Et problème à Congo ngana za koloba awa, c'est vraiment la dynamique interne, c'est la gestion du pays pour que le Congolais, tous les Congolais puissent être touchés par ce programme là. Il faut pas qu'ils aient le programme moko par exemple na zoloba na en contradiction à programme à Katumbi. Lui se focalise beaucoup plus sur l'économie, ya kobenga batu baya ko investir na Congo tout ça. N'ensemble bango bazako kanisa ke avec carnet d'adresse à Katumbi na ba compagnie ba israélite ba ndeko na ye wana msusu ba msusu na libanda ba koya ko salisa epo ba créer ba compagnie tout ça. Il ne se focalise pas sur la dynamique interne de la gestion du pays. Structure à mboka na ndenge ezali lelo. Est-ce que atato bandiko tonga ba biloko msusu ndeko résoudre ba problème? Et là moi je me dis c'est là le problème que Mukwege va se confronter à nango et kozala problème oyo ya koyeba mboka oyo. Quel est le grand problème oyo a soki a tapé awa a ko tapé juste pour que ba congolais ba yeba ke non. Musala bien sûr, mais musala ngo batu msuba za koloba musala il faut eu talibanda yako baya ko sali sabiso pona ko créer ba emploi na Congo. Or on oublie cette dynamique interne que moi je suis en train d'appeler ici, que la dynamique interne qui existe en République démocratique du Congo, c'est le travail que va faire l'État, faire fonctionner l'État. L'État congolais doit fonctionner, l'État congolais doit d'abord s'organiser en interne que batu bayebi processus ni nyango basalaka. Quels sont les prérogatives ya ba base, quels sont les prérogatives ya ba territoire, quels sont les prérogatives de l'État de rétablir cette autorité de cet État là, fonctionnement ya l'État n'est le plus important dans la République démocratique du Congo. Nous devons avoir cet État-là qui nous gère. Et c'est cet État-là que ngana banzi que il fallait ba opposant ba se focaliser na ngo ya koloba ke non. L'État ezali ko sala malamu te. Les gens sont en train de tripoter l'État, de profiter de cet État-là qui ne fonctionne pas pour que ba banda ko s'enrichir bango moko mbongo oyo. Et l'État est censé à co-gérer, est à la gérer sur toute l'étendue de la République de la même façon. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, d'autres provinces, bah, zako progresser, bah, Équateur, kuna, bah, province, moussousou, et zako régresser, bah, tout moussousou, bah, zako profiter, na mal fonctionnement à l'État. Et c'est ça le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo. Na bandi ke oyo, il faut que Mukwege, soki to tiye wana, soki ba Congolais bandimi ke yazala président, azala na esprit moko fédérateur ya koloba, akosala yango ye mokote. C'est pour cela au début je vous parle que Mukwege lui, azo a se focaliser beaucoup plus sur ya koloba ke tokosala yango na bino. Je ne le ferai pas seul, tandis que les autres candidats se disent que non, leadership, oh non, oh, refondation à l'État. Oui, refondation à l'État, il en a parlé. Il faut refondre le Congo absolument. Qu'on refondre le Congo, refondre le Congo, ce n'est pas que bako chambarder babilo konyoso. On va faire fonctionner l'État du bas jusqu'en haut. Batuna batuba za la kanaba responsabilité na bango. J'ai discuté avec quelqu'un sur la gestion même des ETD, donc les entités territoriales décentralisées. Ba entité wana e fonctionne kamala mute, c'est comme cela que boza komona ba commune za ko fonctionner mala mute. Ba commune ebi
ba prerogative ba commune eza ambibe na kati ya ba province ainsi ce désordre là crée à ce que la base ne puisse pas être à mesure de se prendre en charge. Alors moi je me dis ceci, moi dans tout ce que j'ai dit na discours à Mukwege, il faut que nous puissions faire attention. Si nous donnons vraiment confiance à Mukwege, c'est-à-dire que nous allons nous donner nous-mêmes confiance en nous disant que nous pouvons faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, pour poto sili sababilo ko ba problème brûlant d'actualité, o eza ko empêcher que batu mboka ekende liboso, c'est vraiment à ce que batu nyoso bazala na ide moko koloba. Oui, le problème principal à mboka na biso ezali l'État, qu'il faut faire fonctionner et que ma prérogative à chaque entité est à la bien déterminée et ba exercer en haut. Et tant qu'on baza ko exercer en haut, que le contrôle ne vient pas simplement d'en haut. Na ndenge tozomo na lelo que non contrôle utaka na IGF ba créer qui IGF on crée tout ça. Il faut que bon mabilo ko na nyoso oyo ezali parallèle na ba fonctionnement naturel à l'État. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à se dire que aux communes, aux taxes à communes, aux taxes à province, aux taxes y a gouvernement central. Et que bato bazako contrôler, bazabato ya gouvernement central, bato bazabato ya y a province, bato bazako contrôler ba commune, bato bazako contrôler ba finance na niveau ya l'État, ya C, na niveau ya province, na niveau ya gouvernement central, ba contrôle wana e banda ko refonctionner normalement. Parce que aujourd'hui, nous avons un truc qu'on ne sait pas, nani angwa contrôle la kanani. Le président de la République est considéré comme le chef. Yabilo konyoso, mokonzi nabiso. Et beaucoup de gens veulent continuer dans cette optique-là. Yako, de sacraliser donc pouvoir na, nani, yaba entité. Et donc, dans les entités, si le contrôle déjà na niveau de base est contrôlé par les entités, on saura par exemple que Mbongo eza ko uta na ba entité de base, Mbongo wana eza contrôlé justement par les entités de base. Bato ba percevaka Mbongo na kati ya ba entité de base wana eza na département à contrôle. C'est ça que je suis en train de dire ici. Ba problème oyo Mukwege ko se trouver en face soki akeyi moko. C'est comme ça que j'ai dit. Fédération, on a nous tous eux qui de par-ci par-là, batubaza kolobake non, batubadi. Mukwege ko se fédérer na batumsusu. On est en train de voir comment est-ce qu'on va coaliser. Tokende na nous na ba élection na. C'est pour cela que j'ai dit dans na début on a lobi non. Totia na nous likambo aseni à côté. Est-ce que les élections auront lieu? Parlons-en un peu. Est-ce que les élections auront bien les bien lieu? Naza comment on a élu comment koke? Le gouvernement va se buter à un problème et au risque à la dernière minute, lorsque ils vont voir effectivement que bako perdre ba élection, même si baza ko linga ba tricher ou bien ba sala ba manigance moko boy, soki toke na ngwa ata na bulu yeke, si le gouvernement actuel constate effectivement que même par tricherie ils n'y arriveront pas, sachez bien qu'il n'y aura pas élection, parce que adage moko africain ezalaka awa, on n'organise pas les élections pour le perdre. Alors nous serons contraints ya kokende na dialogue ya munene eloko wana toloba ango awa kala, nous serons contraints à aller na dialogue wana munene. Conséquence nango eza nini? Conséquence nango kozala que monsieur Félix Tshisekedi risque de perdre même na katia dialogue wana à cause à la contrée, parce que bakoyebi c'est que non, tu n'étais pas capable d'organiser les élections, voici donc nous allons mettre quelqu'un là-bas, même transition, mais toi tu ne seras pas capable, tu ne seras pas là comme président de la République et cause à la kaka lisusu batu bakoyokana batu bakosala gouvernement d'union nationale tout ça babilo kwa na mususu partage de pouvoir, nous irons là soki na modèle otozo kende. Ben Félix a moni que non ba opposant ba lingani ba tieboule ensemble ba lobby bon to combattre a komona sika a kobimate. C'est ainsi qu'il va commencer à faire non to ça la union to ça la boye to ça la boye. Moi je me dis une chose, il est grand temps c'est que le pouvoir en place puisse réfléchir et pas
tokende ti na suka tangwa kozala ko bite penza ke no seni yango mbongo e komite ma materiel ezalite batu bazako ko komona ke no bon eloko e kosale mate donc e kadima ce moment là aura à dire que non voici je n'ai pas eu l'argent ba contrainte insécurité ba biloko ebele on n'a pas respecté le programme je suis sûr bokanga émission oyo lelo na ebisi bino na modèle auto zokendele nous risquons soit mboka etika la boye mboka ezala na eloko moko boye tozoko luka tosala nini tosala dialogue à ce moment là Tshisekedi va se dire bon ok tokene na dialogue mais à ce moment là soki ba opposant baza déjà ligué ba toba kokende kuna ba kolinga susu te ke non Tshisekedi azala même président à transition anaza akoluka. Et là moi je vous dis que c'est ce chemin là que je pense que tozokende na kati et c'est vraiment déplorable que makamwangwezo kende boye. Mais, je vous assure que, awa nenge tozo lobela na mukwege, ça c'est un oiseau rare, que vraiment que le Congolais devrait comprendre que il fallait ko tchaye. Mais, ako kende kuna, il faut ba opposant bandima, que ba sa la alliance moukwa mounene, pour nako justement mettre Tshisekedi devant le fait accompli, pour que azala na susu na eloko musu a kolobate. Les élections n'ont pas été organisées. Bilan ezala ki chaotique. Bilan ezala ki boy. Il n'aura rien à présenter. Il n'aura absolument rien à dire. Même si parti politique na ebaza kolobake non, bilan za positif, tout ça. Mais ce qui pression, y a peuple, et que on constate qu'on arrive au mois de novembre, eloko moko salemite campagne bandi, ekobanda, ata matériel mon côté zala ki commandé ou bien matériel est commis ba koloba ke non matériel ezali mais ils vont inventer un truc s'ils voient que vraiment que batoba parce que aujourd'hui boko sanate même des tournements oh ya fayou la lobby que akozon akokende moi je crois il n'est pas imbécile à koloba ke non à salir valte force à babilo qu'on aille à l'obaya au kendete. Mais c'est un, à l'andi dynamique, wana koloba ke non. So ki nazana katia yanani wana te, eko ki kope sa pe raison ke non, ba organiser ba élection wana te. Ba koloba ke non, les grosses pointures ne sont pas là, donc les élections n'auront pas d'importance, to kende na babilo comme susu. Moi, je crois que to komi sa, Félix, ti na souka, so ki ba élection eko zala. Tant mieux. Ce qui est causal à la transition est causal. Mais à ce moment-là, les opposants auront déjà pignon sur rire à Koloba que Tokéi, Naba, Ndenge, Zaliwana, comme on avait fait en 2018. Machine à voter ou pas, nous irons aux élections. L'exemple, c'est à Butembo. Butembo, oui, il n'y avait pas élection, mais bon, mon aki batouba, kenda ki na stade, bango moko. Même si le gouvernement n'avait pas réalisé le résultat à côté Kuna. Mais ça, nous sommes en train d'aller, soit dans l'article 64, soit que Félix avanda na gouvernement nae bandi makeno. En tout cas, nous ne sommes pas capables d'organiser les élections. Allons dans un dialogue. Et à ce moment-là, na banzelo na mibale, Mukwege sortira vainqueur. Mukwege aura une place. So ki akoki ko fédérer batu, ayebisi batu, et puis ba sangani, ba constater effectivement que non, nandenge tozo kende boy, tozo kende mabe. Voilà un peu réaction nangai. Moi, je suis vraiment positif sur ce que Mukwege est en train de faire, donc Eza salut Moko, c'est un oiseau rare que la République démocratique du Congo a besoin pour diriger le pays, même pour 2 ans, y a réorganiser Congo, y a kotia justice wana kene malamu pour que Kimiana nous écoute. Next time ou bien dans l'émission prochaine, nous allons vous développer la politique, tant que tozo kota na makambu na ye, onyo soza ba programme na ye, comment est-ce qu'il va résoudre le problème de l'Est? Ne manquez pas cette émission-là, car nous avons déjà des petits éléments que nous sommes en train de réunir pour que Toye, bah, effectivement, ce qu'il pense du problème de l'Est, parce que ça, c'est un problème crucial. Félix n'a pas été capable de résoudre les problèmes de l'Est. Est-ce que c'est Mukwege qui pourra être capable de résoudre les problèmes de l'Est? Comment est-ce qu'il va expliquer ça et que le peuple va répondre ça? Ça sera dans une émission qui va suivre, je crois, dans 2 jours. Ne manquez pas cette émission-là. Donc, continuez à vous abonner sur notre chaîne. Continuez à aimer, continuez à partager, car ici, nous faisons des réflexions
pour l'avenir de notre pays. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.